Bonjour à vous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Où je vais vous parler d'une personne extrêmement inspirante, le professeur Jean Seignalet. Alors Jean est très célèbre par son livre L'alimentation ou la troisième médecine, qui est une bible, un gros pavé que j'ai là quelque part, mais que j'ai oublié de prendre pour la vidéo, mais que vous pouvez retrouver dans pas mal de, de bibliothèques, que ce soit de praticiens de santé ou même des bibliothèques grand public, puisque c'est un livre qui a connu un grand succès. Pourquoi Eh bien parce qu'il venait du Sérail de la médecine académique, il était même chirurgien viscéral, il a été, on va dire, un des ponts de la faculté de médecine de Montpellier. Il a également fait des greffes, et donc quand il s'est intéressé au sujet de l'alimentation, où pour lui c'était une base des dysfonctionnements modernes, eh bien, ça fait énormément de bruit, alors du bruit positivement, parce qu'il a pu s'appuyer sur des milliers de patients, d'études de cas et avec des résultats. Et donc bah, inspirer beaucoup de personnes à bah, prendre en main l'origine de vie et notamment alimentaire, et puis à sortir de détails de, de pathologies chroniques. On le verra. Et puis il a également fait du bruit parce qu'il est venu bousculer, on va dire, l'ordre euh, dans la médecine. Et il s'est fait de nombreux ennemis qui ont vu dans sa théorie appliquer, et bien une perte de pouvoir. Donc il s'est fait euh, bah, bien dégommer comme, comme il faut hein, par les institutions, par ses collègues, rappelé à l'ordre plusieurs fois. Et donc c'est dans la difficulté qu'il a pu euh, bah, enseigner, transmettre, et puis également publier euh, son, dans son ouvrage phare, donc de 650 pages à peu près, de l'alimentation ou la troisième médecine, qui était à la fois un livre pour, on va dire, euh, la profession, ses collègues, et à la fois le grand public. Donc un peu ardu, mais je, je, je ne l'ai pas acheté, mais j'ai vu que ses filles avaient réédité il y a 5 ou 6 ans de ça, une version allégée uniquement grand public euh, de ce livre-là pour qu'il soit plus digeste sans jeu de mots. Alors, en quoi consistait cette alimentation révolutionnaire Eh bien, euh, en certaines évictions, et puis en mettant l'accent sur certains euh, produits. Lui, il avait vu que l'alimentation moderne, transformée, euh, et puis avec des produits qui n'avaient rien à faire dans le système digestif, euh, créait des états inflammatoires, aigus, euh, qui allaient du rhume, de l'arénite, pharyngite, euh, on va dire petite gastrite diarrhée, etc., jusqu'à des problématiques plus lourdes, polyarthrite, rhumatoïde, globalement maladie, toutes les maladies auto-immunes, mais également arthrose, euh, on va dire syndrome du côlon irritable, tout ce qui touchait en fait la sphère intestinale, et globalement le système immunitaire. Et la théorie de Jean Seignalet, c'était de dire qu'avec des aliments et des éléments agressifs, la muqueuse intestinale, nos intestins, était lésé, et puis laissait passer des informations indésirables qui mettaient en mouvement le système immunitaire, euh, qui reconnaissait comme toxiques ces éléments qui n'avaient rien à faire dans le milieu intérieur. En premier lieu, il a mis en avant euh, bien, euh, trois aliments, euh, parmi les plus nocifs, les produits à gluten, les produits laitiers, et le sucre. Et donc dans les trois cas, ben, y a des, vous verrez qu'il y, y a du sucre. Et donc le, le gluten, il l'a expliqué en long, en large, en travers, elle était... Euh, extrêmement modifié par le temps à la fois eh bien, pour la culture, on va dire en mettant des raccourcisseurs pour notamment les blés en faisant en sorte qu'il y ait plus de rendement à l'hectare pour récolter plus de quintaux. Donc on est passé de 3 à 21 paires de chromosomes, pardon, de 7 à 21 paires de chromosomes dans les dans les gènes de blé pour à la fois qu'il y ait plus de production, que ça soit résistant à intempéries, et puis une fois qu'on pouvait le pétrir, ça ne passe plus d'un procédé manuel, mais un procédé industriel, mécanique, et donc que n'importe quelle machine puisse faire de la pâte. Donc on a augmenté aussi la teneur en gluten, grosso modo de 5-6%, jusqu'à près de 15-20% parfois, et pour qu'on ait une facilité à faire du pain, et puis qu'on le produise de manière industrielle, ce qui le cas aujourd'hui. Et donc ça, ça crée des réactions inflammatoires dans l'intestin de manière très forte, pour De nombreuses personnes, on dit souvent oui, mais c'est uniquement les personnes atteintes de la maladie de cédiaque. Et eh bien non. Et lui, il l'a prouvé, il a bien montré aussi que la plupart des gens, si on leur disait ben, pendant 3-4 semaines d'enlever toute trace de gluten dans l'alimentation, et eh bien il y avait une amélioration de pas mal de symptômes en dormance, et puis qu'on pensait être euh, ben, en faisant partie de notre constitution le nez qui coule, un peu de maux de tête, une petite fatigue lancinante, constipation ou épisode de, de diarrhée, de sel molle. Euh, Douleurs un petit peu abdominales, voire gastriques, bref tout un tas de symptômes euh, qui vont même jusqu'à euh, aux petites rougeurs sur la peau, et puis ben, qui font euh, qu'on font que ben euh, on a des dysfonctionnements, et puis on pense que ça passe dans dans, dans, dans le flot comme ça, et puis que tout tout va bien, et bien non. Et donc ben, il a vraiment mis l'accent sur les produits à gluten, donc je vous parlerai des, des substitutions qu'il proposait. Il a également parlé aussi des du lait de vache notamment mais des produits laitiers de manière générale en disant un il a été pasteurisé et donc eh bien tous les, les, les on va dire les enzymes qui permettent d'auto digérer le lait ne sont plus là mais surtout que c'est un aliment de croissance pour une période de développement donc ce qui n'est pas le cas de l'âge adulte et puis surtout c'est un aliment de croissance pour une espèce de mammifère spécifique c'est-à-dire notamment les, les bovins c'est-à-dire c'est un aliment de croissance pour le veau pour les six premiers mois de sa vie il doit prendre un kilo par jour et donc ce n'est absolument pas Adapté à l'humain, jamais. Donc c'est un aliment opportuniste, comme le B d'ailleurs, qui, qui favorise on va dire, le maintien calorique d'une civilisation, mais qui n'est en aucun cas physiologique. Et donc en expliquant eh qu'il y avait des problèmes inflammatoires, voire même de carence ce qu'on appelle dans le milieu scientifique et nutritionnel le paradoxe calcium, qui est très bien expliqué par Thierry Soucard, dans hein, notre livre Les mensonges et propagandes. Eh bien en fait les grands consommateurs de produits laitiers se retrouvent à être les personnes les plus carencées en calcium et atteintes d'ostéoporose. Et donc ce n'est pas un paradoxe, puisque évidemment cet état inflammatoire là amené par les produits laitiers, la difficulté à fixer le calcium fait qu'on ben, va ponctionner le calcium osseux euh, ou dentaire pour ben, tamponner au niveau de l'équilibre acide, acide basique cette acidité induite et apportée par les produits laitiers. Et donc, ben voilà, là, on a deux aliments qui sont, en euh, groupe d'aliments plutôt, les aliments à gluten. Donc, on va dire, ben, je vais parler du blé, mais on peut parler aussi du seigle, de l'avoine, de l'orge, du grand épôtre, du petit épôtre non hybridé, qui contient quand même 4-5% de gluten. Et donc, ces produits-là sont à évincer, pour, euh, j'en signalais, ils ne conserve lui, dans les céréales, que eh bien, le riz, qui ne peut pas être hybridé, pour le coup, euh, le millet le sarrasin et le quinoa, trempé au moins pendant 6 heures pour enlever la saponine qui est phytotoxique. Et puis les produits laitiers, l'huile les évince complètement. Et évidemment, le sucre, il enlève, parce que là, je pense ne pas vous faire la leçon sur le sucre, il y a suffisamment d'études, de reportages, de documentaires qui sont sortis pour démontrer les méfaits du sucre, les seuls bienfaits qu'il y a au sucre se décombler euh, d'étouffer des, des émotions et puis de, de, de on va dire de garnir le portefeuille des actionnaires des grands groupes industriels qui fabriquent euh, des produits transformés, mais ça n'a aucun autre euh, avantage sinon d'acidifier, d'oxyder le corps, euh, de parasiter le système nerveux, et puis euh, bah, d'inflammer l'organisme de manière tout entière. Et bien qu'en qu faisant ça, on voyait des états euh, on va dire euh, pathologique, on peut le dire, hein, parce que c'est une étude sur des malades, euh, qu'ils étaient grandement améliorés, voire guéris. Parce que lui, la, ce qui est la grande nouveauté de signaler, c'est par exemple parler pour l'air rhumatoïde où là, on était sur des traitements à immunosuppresseurs, bah, lui, il arrivait à des résultats, de non pas de rémission et de guérison. Il parle par contre de rémission pour la sclérose en plaques, mais d'effacement des symptômes, mais montrer qu'il y avait une réversibilité si on reprenait une alimentation dite traditionnelle. Et donc, c'est tout un champ. Euh, euh, on va dire d'expérimentation euh, positive qu'il a pu mettre en, en place. Il a mis également l'accent fortement sur les crudités euh, lorsque euh, la muqueuse n'était pas irritée, la muqueuse des intestins n'était pas irritée. Pourquoi Eh bien parce que le, les crudités conservent une énorme valeur nutritionnelle, ce qui lui permet de, bah, de de prodiguer un maximum de vitamines, de minéraux, doligo éléments mais également d'enzymes. Je vous parlais tout à l'heure des enzymes qui étaient supprimées à haute température, notamment pour la pasteurisation à 72 degrés. Mais dès l'instant qu'on dépasse 40-42 degrés, on commence à oxyder et altérer certains nutriments, notamment les vitamines, comme la vitamine C, qui sont sensibles à la, à la chaleur, mais il y en a d'autres qui sont sensibles à l'air également. Euh, D'autres euh, à la lumière, et donc la plupart sont sensibles à peu près à tout, mais ça, ça dépend le, on va dire le, le degré d'exposition à une des trois ou les trois, euh, euh, on va dire euh, parties concernées. Mais en tout cas pour la chaleur, à partir de 40-42 degrés, vous détruisez, commencez à détruire euh, partiellement les enzymes, et puis à 52 degrés il n'y en a plus. Et puis bah, les, les, les vitamines c'est pareil, hein. à 90 degrés il reste plus beaucoup. Et les minéraux euh, et oligo oligo-éléments à 110 degrés on peut dire qu'il y a quasiment plus rien. Donc il appelait à cela, il parlait également des molécules de maillard, qui lorsqu'il y a friture ou cuisson à très haute température, il y a une caramélisation, entre guillemets, euh, des, euh, de certains éléments macros, c'est-à-dire dans les lipides, dans les glucides et les protéines. Et donc d'aller voir une, une cuisson à vapeur douce, voire crue, si possible, et puis euh, avec beaucoup euh, d'aliments euh, gras. Euh, voilà donc euh, une tendance cétogène mais pas que, hein, parce que comme je vous l'ai dit, euh, il était vraiment sur euh, le, les substituts aux céréales. Alors je dirais c'est presque le régime numéro 1, mais si on veut aller plus loin, il faudrait baisser euh, drastiquement le taux de glucides. Mais je dirais que là où il, il s'est arrêté dans ses recherches et dans son application, ça correspondait un peu à l'époque. Et là nous sommes dans une, dans une époque de santé extrêmement dégradée euh, pour de multiples facteurs, hein, notamment euh, eh bien, nous avons erroné notre santé avec des prises de médicaments sans doute trop forte, de antibiorésistance un air pollué, de l'eau polluée, un manque d'activité physique, beaucoup de stress oxydatif, un manque de sommeil, manque d'activité physique, manque d'épanouissement aussi artistique, tout ça, ça atteint notre organisme et fait que ben, il est moins résistant à ce qu'il voulait être, il a une moindre amplitude au niveau de sa, sa force vitale et ben pour tamponner ce qui serait vu comme un, un excès. Et donc, ben évidemment, il faut pousser ce régime un peu plus loin, et je vous invite pour ça à suivre... Euh, mes vidéos. Là, le but, c'était de faire quelque chose d'introductif. Un exemple d'ouvrage qui, pour moi, va, euh, bah, va un peu plus loin que le professeur Sénialet, c'est le livre de Roger Lemadec, Un esprit saint dans un corps sain, qui aborde ça, l'alimentation, le jeûne, la respiration, le repos, l'ensoleillement, l'activité physique. Et donc, voilà, pour 15 euros, vous avez aussi des idées de menus et puis vous avez tout un détail sur les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, euh, comment respirer, comment mastiquer, ce qui est fondamental. Euh, Jean Sénialet parlait également des diètes. Il avait également abordé un petit peu le jeûne, mais forcément, en tant que chirurgien viscéral, viscéral, il a mis beaucoup de patients, des milliers de patients en jeûne pour les opérer. Donc il a pu observer des bienfaits, on va dire, pratiques. Et il était un peu trop en avance sur son temps pour avoir des études pour l'appuyer, comme celles qui sont faites en Allemagne, en Russie ou aux États-Unis, notamment sur la côte ouest. Et donc, un esprit saint dans un corps sain, la véritable nourriture de l'homme, je ne saurais que trop vous conseiller cet ouvrage pour vous et pour l'offrir. Voilà, qui, euh, qui offre une clé synthétique de compréhension, euh, euh, on va dire, euh, beaucoup plus accessible que le professeur Signalé. Vous retrouvez le lien bien sûr en description et sur ma chaîne, euh, enfin sur mon site internet, exuvi.fr. Là où je voulais en venir aussi, c'est de dire que ce travail de pionnier-là, qui aujourd'hui bénéficie à des dizaines de milliers de, de malades, hein, moi j'ai vu de partout où je vais, on parle d'alimentation signalée, et eh bien c'est un travail de fond qui s'est fait euh, contre vents et marées. Et il a pris beaucoup de coups. Alors il y a plein de gens qui vous disent ah il est mort du cancer. Mais n'oubliez pas, n'oubliez pas que. Euh eh bien, quand on s'expose, on prend beaucoup de coups. Et que cette personne-là, oui, il était au courant de ce qui était fait la santé, il savait ce que c'était les mécanismes du cancer, mais le torrent de haine et d'adversité qu'il a pris en face, eh bien, ont oxydé son corps, son organisme, bien plus que euh, l'alimentation qu'il aurait pu avoir s'il était resté tranquille dans son coin et ne changeant pas trop sa, sa, sa bouffe. Euh, ainsi va la vie, et ça nous ramène à l'humilité et à, aux lois de l'équilibre. Je précise d'ailleurs que je forme beaucoup de naturopathe et qu'il y en a beaucoup qui se sentent complexés et qui ne sentent pas par quoi il faudrait commencer pour ne pas mettre les gens en danger, c'est ce qui est très noble, ce qui est la meilleure des démarches, et bien moi je l'ai toujours recommandé l'alimentation, j'en signalais, elle est parfaitement équilibrée, et elle enlève beaucoup de soucis, elle motive les gens qui vont appliquer ces premiers euh, principes, et bien continuer, parce qu'elles auront des résultats euh, positifs et euh, elles auront euh, ben, au niveau protéines, ben euh, des petits poissons gras, lui conseillait aussi des viandes de, de, très haute, de très haute qualité, notamment gibier. Et il fait, un, pour moi, une parfaite introduction. Il y a pour qui ça semble assez exigeant. Moi, je trouve qu'au contraire, c'est très doux. Et c'est une alimentation assez basique, euh, somme toute. Euh, on va dire qu'elle n'est pas trop, trop contraignante, qui permet de faire des desserts également, d'avoir des entrées sympas, qui peut bénéficier à toute la famille, euh, sans, euh, sans qu'il y ait de vraies frustrations. Donc, je, je ne saurais trop que vous conseiller. Bah de, de vous initier à l'alimentation santé par l'intermédiaire de Jean Et Puis je vous rappelle cet ouvrage avec lequel vous pouvez commencer ben simplement. Voilà, c'est quelques, je ne sais pas combien, 100, 120 pages, 140 pages. Il y a des, des menus dedans, des recettes, on fait le point, on vous explique très simplement ce sont les vitamines et minéraux. Euh, les différentes macros, et puis ben, un poids sur le jeûne, les diètes, les monodiètes, euh, les avantages de l'alimentation bio. Donc Roger le Madec, feu Roger le Madec, mon ami Roger, qui, ben, qui est parti euh, depuis trois ans désormais, euh, à 25 décembre, et donc euh, que j'embrasse et puis que, que je souhaite faire rester à la postérité par l'intermédiaire de ce livre. Je vous remercie pour votre attention, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube, à bien prendre en main votre santé. Et à très vite